sea traicionera y como ella viene, se me va. Vous intéresse ou même un autre produit de la gamme, tout est dispo chez Darty. Je vous mets le lien juste ici, donc n'hésitez pas à aller voir. Un antiodorant qui va venir neutraliser les bactéries qui sont responsables des mauvaises odeurs. Là, il commence à faire chaud ici, donc on transpire un peu plus. Et ce petit tube-là, vous pouvez le garder pendant 6 mois et je vais vous expliquer pourquoi. En plus d'être vegan et 100% naturel, c'est un produit qui est très concentré. Et du coup, vous n'avez pas besoin d'en appliquer énormément. Vous utilisez une noisette tous les 4 à 6 jours et ça fait complètement l'affaire. C'est beaucoup plus efficace qu'un déodorant classique. Il faut savoir que dedans, il n'y a pas d'aluminium. Et ça, dans quasiment tous les déodorants, il y en a. Et c'est vraiment très mauvais pour la peau. Donc en plus, voilà, comme je vous dis, 100% naturel. Il convient aux mêmes aux peaux sensibles et aux femmes enceintes. Vous pouvez l'utiliser. Première fois que j'ai testé nude, j'habitais encore à Paris, donc c'était il y a un moment et j'ai complètement fini mon tube depuis. Donc là, je suis trop contente de pouvoir recollaborer avec eux et vous en reparler. Si jamais vous avez déjà testé et qu'il faut que vous en rachetiez, ou alors si vous voulez essayer, j'ai un code promo pour vous qui est le code CINDY20 qui vous donne du coup moins 20% pendant 24 heures uniquement. Donc dépêchez-vous si jamais vous voulez essayer. Et franchement, moi j'en suis convaincue. D'ailleurs, une petite question parce qu'il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je voulais savoir si vous le saviez ou pas. À votre avis, à quel moment de la journée il faut appliquer son déodorant, antiodorant, etc. Dites-moi quand est-ce que vous pensez que c'est le plus efficace.